Le dictum d'Acton, écrit par Lord Acton, un historien britannique du XIXe siècle, soutient l'idée que le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Cette affirmation suggère qu'une personne ou un groupe en position de pouvoir est susceptible de devenir corrompu sous l'influence de ce pouvoir. Plus ce pouvoir est grand et sans contrôle, plus la corruption est probable et extrême. Acton met en lumière le danger inhérent au système où la concentration de pouvoir est excessive, insinuant que pour préserver l'intégrité et la moralité, le pouvoir doit être distribué et soumis à des contrôles et des équilibres. Cette maxime souligne l'importance de la surveillance et de la responsabilisation dans le gouvernement et les institutions pour empêcher la corruption et l'abus de pouvoir.